On commence aujourd'hui avec Morand et la chanson Caféine. Direct comme ça. Mais est-ce que les gens sont obligés de manger un sandwich ou non? OK. Juste pour savoir, parce qu'il y en a qui vont être déstabilisés, peut-être, je sais pas. Avec ma cervelle caféine et mon haleine de tabac, cette bouteille de grimpa dans le rôle de l'héroïne, avec le mort entre les dents, des chevaux du mauvais désir, et ta chevelure de cuir sur mon visage. Éphémère. Reste encore une maille aux arts du temps qui va. Qui vient pendant que je tricotais ton cœur, toi tu portais déjà le mien. Avec le bonheur que tu infliges et la douleur que tu contiens, le rythme au bras quand tu diriges l'orchestre de nos lendemains, avec le lest de mon souffle dans une tempête de langue, l'oasis dans ta bouche comme un mirage. Reste encore une maille aux heures du temps qui va et puis qui vient pendant que je tricotais ton cœur. Toi, tu portais déjà le mien. Donnez-moi un tabac pour fumer mon alcool. Je ne chanterai pas de ma voix des gringoles. Donnez-moi un tabac et une histoire d'amour. Je ne chanterai pas ma voix. Et sans recours, sans recours, ma voix est sans recours. Avec chacune des morsures comme une signature au destin, chacune des brûlures dans le brasier de tes mains, tu es l'alcool sur la déchirure où l'infection s'est fait un nid. Tu es à la fois la blessure et le pansement sur ma vie. Mais reste encore une maille aux heures. Hey, merci beaucoup. Ben merci beaucoup, Morand. Donc, ça, c'est Caféine, c'est la première chanson que tu as écrite à vie. Ouais, ben oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, dans le fond, aujourd'hui, tu nous joues ta première puis ta dernière, qui est Les Salines, que ouais. Tu viens de composer, qui n'est même pas encore sortie sur 10, c'est ça? Non, non, qui n'est même pas encore complètement apprise. J'ai le texte ici. Ouais. Donc là, il se passe quand même pas mal d'affaires dans les prochaines semaines pour toi. Tout d'abord, tu fais un concert au Vert Bouteille dimanche soir, ouais. Qui est un concert bénéfice pour l'accueil Bonneau. Et puis ça, tu vas répéter ça à tous les mois d'ici Noël, c'est ça? Oui, d'ici Noël, en fait, on espère, on prépare un gros show avec l'accueil Bonneau pour septembre 2018. OK. Et puis, on commence cette série de un concert par mois avec un artiste invité différent, surprise à chaque mois. Ouais. C'est-à-dire, c'est moi avec Thomas Carbou qui allons faire le show. Puis on invite, tu vois, dimanche, là, il va y avoir Catherine Major, oui. Qui va être là, qui va venir faire 3, 4, 5 chansons avec nous. Et puis, on garde les surprises de mois en mois. L'idée, c'est juste de rassembler un peu tout le monde autour de l'accueil Bonneau, en fait. Ouais. Parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu un coup de téléphone l'automne dernier d'Aubin Boudreau, qui est... Oh, c'est, mon Dieu, c'est pas Boudreau. Oui, c'est Boudreau. Aubin, enfin, Aubin, de l'accueil Bonneau, qui est le directeur général, qui m'a appelé pour savoir si j'avais envie peut-être d'aller rencontrer les gars, puis de me donner un peu de temps. Puis je suis allé parce que c'est quelque chose qui me touche depuis longtemps. Mon dernier disque, pas le dernier, mais l'autre avant, s'appelait Sans-abri. Donc ouais. C'est sûr que depuis ce temps-là, l'accueil me suit à distance. Et puis, j'ai été complètement flabbergasté de
m'apercevoir de l'ampleur du travail fait là-bas, ouais. tant au niveau des soins de santé gratuits que de... juste le fait qu'ils puissent servir 800 repas par jour, ouais. 7 jours sur 7, la réinsertion sociale, l'accompagnement budgétaire dans les logements, etc. Ça n'a pas de bon sens, la liste de choses avec un petit budget annuel de 3 millions de dollars, mm. qui est, dont je pense qu'il y a à peu près seulement 5 % qui est donné par le gouvernement. Le reste, c'est des fonds privés. Okay. Et puis, ben, je trouve que c'est moi-même qui connais l'accueil Bonneau depuis toujours, je n'avais pas conscience de tout ça. Je n'avais pas conscience de toutes les activités qui pouvaient être réalisées là-bas avec autant peu de moyens. Ouais, puis ça remet aussi en perspective le nombre de personnes qui vivent dans des situations de précarité. S'ils servent ouais. 800 ouais. repas par jour, ouais. c'est énorme. Oui, puis sachant en plus que c'est un seul organisme, il y ouais. en a d'autres aussi. Toutes les causes sont bonnes. Il y a aussi la France, ben, en fait l'Europe qui t'attend parce que tu t'en vas en Belgique, en Suisse et en France pour une tournée d'environ un mois. Ouais. Où tu vas faire une quinzaine de dates prochainement, dont les francophonies du Limousin. Ouais. Si je ne me trompe pas. Donc, la France et toi, c'est comme une longue histoire d'amour qui continue de se vivre. Je ne sais pas, l'Europe en général, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour. Disons qu'il y a, peut-être plus écho là-bas. Mes chansons ont peut-être plus d'écho dans les oreilles européennes que dans les oreilles québécoises, quoique... Tu fais de la chanson à texte quand même, là. C'est sûr que tu as des textes qui sont bien écrits, qui sont aussi bien poétiques, mais il y en a des... Je sais pas. Je pense que c'est un peu un hasard aussi. Dès que j'ai sorti mon premier disque, il y a eu tout de suite de la demande, puis ça n'a jamais arrêté. Parce que là, ton dernier disque qui est paru l'année passée, en ce moment, c'est celui qui est le plus joué sur Kota, qui est comme un ouais. ensemble de radio associatives. C'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien. Dans la dernière année, j'étais très étonné. On sait jamais hein, le chemin que nos albums font. C'est le fun. Ça permet de mettre du beurre de pinot sur les toasts. Exactement. Ah, quand même, faut nourrir ça, ces gens-là, puis nos familles et tout ça. là, on va se quitter avec... Tu vas jouer. Ben, pas tout de suite. Je vais venir te voir avant de partir. Est-ce que les gens ont fini de manger? Quand même. Avez-vous fait... Ça va, la salade? Tout va bien? Good. On va aller écouter Les Salines. Ouais, OK. Ben, écoutez, puis toi, tu vas la jouer. Oui, ça a aucun rapport vraiment avec le sel qu'il pourrait y avoir dans votre repas, mais je vous explique quand même rapidement, c'est juste, c'est la dernière chanson que j'ai faite, j'ai enterré mon père la semaine dernière. Donc, il est mort il y a un an déjà, mais on n'avait toujours pas fait l'enterrement. Et puis, il est mort dans mes bras, tu sais, fait qu'il y a eu comme un moment bien intense où il ne pouvait pas parler parce qu'il était trop malade. Il a fini par me dire qui m'aimait, mais il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ses yeux avant de partir. Et puis, je me suis dit que j'allais juste... c'est un peu un message. En fait, je me suis imaginé ce qu'il aurait pu me dire s'il y avait eu les moyens. Ça s'appelle Les Salines. Plus vieux tous ces nuages qui reculent.
Je suis une flèche qui jamais n'atteindra sa cible. Une bête de rien, un poète invisible. Au moins aussi étrange que malhabile, un petit pot pour le fragile. Et le sang dans ma tête, cette impression que je manque de veine. Combien de kilomètres pour arriver au bout de ma peine? Le diable est vert au fond des êtres, mais toi, tu sais toujours me reconnaître. Si je n'entends plus rien dans l'autre moitié de mon corps, je vois s'user sans fin chacune des étoiles par l'échine. Mais la poussière m'étouffe encore tant ta matière me chagrine. À l'aube de rien, là où l'eau redevient l'océan, je bouffe les grains du sable par les salines. Depuis le jour où j'ai perdu mon cœur au fond de ta poitrine, depuis le jour où j'ai perdu mon cœur au fond de ma poitrine. Merci beaucoup, Morin. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour notre première session lunch. On a cassé la glace sur des sandwichs. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour Hugo Mudy, qui va être là avec Marc-André Mongrain, mon collègue, qui est absent aujourd'hui parce qu'il a pris ça off la première fois. Oui, il a eu peur des premières. Oui, c'est ça, il a eu peur des premières. Il s'est dit, je vais laisser le gars d'expérience devant les caméras casser la glace. Donc, on vous souhaite un excellent mercredi, puis on se voit la semaine prochaine.